Regarde-moi, je suis là, mon fils. Gorarmo Shirkuj Agas Gushu. Non ! Eh bien, bonjour les gens. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur l'ombre du Mordor. Donc la dernière fois on avait fait la mission avec le nain, donc il nous apprenait à monter un Caragor, mais ça on le savait déjà. Et là donc il va apparemment, donc la dernière fois on a eu une nouvelle quête avec ce nain, et donc apparemment il va nous apprendre encore autre chose avant d'affronter le grand une grosse bestiole quoi. Donc sans plus tarder, on va y aller simplement. Donc la quête se situe ici. Et oui, entre temps là j'ai pas rejoué en tout seul hein, hors vidéo. Je fais la vidéo suivante directement. C'est parti. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va à peu près. Partenaire de chasse. Thorvin a encore des choses à vous apprendre au sujet de la chasse aux bêtes avant que vous affrontiez le grand gourg blanc. Bof. C'est parti. J'espère que tu n'es pas répugné par mes cicatrices. Non, pas du tout. J'en ai quelques-unes. Dis-moi, quel genre de blessure tu as rapporté de la porte noire, hein? Des échardes? Oh, est-ce que tu t'es abîmé la voix en ordonnant à tes soldats d'aller combattre? Arrête, s'il te plaît. Les blessures sont bien plus profondes. Hein? C'est le puissant Grog qui m'a fait ça. Et il a aussi tué mon partenaire de chasse. Et maintenant? Bien, j'ai une autre leçon pour toi, capitaine. Peut-être même que t'en sortiras indemne. Alors, quelle leçon? Il me fait marrer ce personnage, je l'aime bien. Tu es des faucons pour nous préparer à affronter le puissant Grog. Tu veux chasser le Grog? Très bien. Mais ce n'est pas donc je peux juste vous dire un truc. Quand il y a des dialogues comme ça, qu'on voit le personnage et qu'il parle, je parlerai pas pour ceux qui, pour que vous écoutez ce qu'ils disent, parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas lire, préfèrent entendre. Donc voilà. Ce sera le premier d'une longue série. Ça, c'est parler comme un chasseur. Eh bien, vu la taille de ton ventre, ça doit me faire de bonnes chances. Alors, tu as un plan pour tuer ce Grog? Étape 1. Pendant qu'il massacre un Grog, tu te glisses derrière ce colosse et tu lui entailles profondément. La base de la chasse est le pistage. Pour l'heure, tu échoues à me pister. Pourquoi pas la gorge? On n'appelle pas un point faible un talon de Grog sans raison. Tu veux que je me faufile jusqu'à cette bête? Continue, d'accord? Mince, j'ai fait une connerie. J'ai rien compris. Oh, je me suis fait repérer.
Oh putain, le con. Ça commence bien. Alors, quelle leçon stupide as-tu prévue cette fois? Et donc, il y a pas longtemps, il y a peut-être un mois. Ouais, c'est ça, j'ai fait une vidéo sur Seigneur des Anneaux Online. J'ai vu que ça avait bien fonctionné. Donc, je pense que je referai une nouvelle vidéo là-dessus pour voir si ça fonctionne bien. Pour voir si ça marcherait toujours. Est-ce que t'as déjà tué un Grog? Ce sera le premier d'une longue série. Ça, c'est parler comme un chasseur. Mes tricks me disent que tu pourrais même y survivre, capitaine. Eh bien, vu la taille de ton ventre, ça doit me faire de bonnes chances. Alors, tu as un plan pour tuer ce Grog? Bien sûr, capitaine. Et comme tu es très doué pour obéir aux ordres, je vais te le détailler étape par étape. Étape 1. Pendant qu'il massacre un Grog, tu te glisses derrière ce colosse et tu lui entailles profondément la cheville. Pourquoi pas la gorge? Les Grog n'ont pas d'écailles pointues à un seul endroit. On n'appelle pas un point faible un talon de Grog sans raison. Tu veux que je me faufile jusqu'à cette bête? Si tu y parviens sans te faire écrabouiller, oui. Ah, le voilà! C'est vraiment un magnifique spécimen. Et il va avoir une belle mort. C'est vraiment un magnifique spécimen. N'importe quoi. Orguide, signez le gant. Maintenez RT pour vous filer discrètement derrière. Puis sur Y pour le signer. D'accord. Bon, on y va, discreto. Je dois d'abord lui entailler la cheville pour le saigner. Et ensuite, je fais quoi? D'accord, faut sauter sur son dos. Ça va être une sacrée. Ah ben voilà, faut l'attendre. C'est plus comment qu'on fait. Il me faut un caragor pour aller vite. Il me faut un caragor plus vite, d'accord. Ah oui, mais normalement, j'ai la compétence, normalement. Ah, voilà, attendre qu'il est... Putain. Je galère, en effet. Bon, je crois que je vais pouvoir le prendre. Il me faut un caragor pour aller vite. Ça m'a l'air assez simple. Allez, on la tire vers lui, ce qui est marqué, hein, ce qu'il faut faire. Quand je n'étais encore qu'un gamin et que ma barre poussait à peine. Étape 3, tire-lui dans la tête. Troisième étape, tire-lui dans la tête. D'accord. Pour l'étourdir. D'accord. Étourdissez le. Yeah, c'est pas mal hein, ce qu'il a fait. Vous avez vu, il a accroché l'œil. C'est quoi l'étape 4? Pas d'étape 4. Il devrait être mort. T'as dû faire une erreur. Mais ce sont tes ordres que je suis. Ça, c'est ton problème. Réfléchis un peu. Compétence débloquée, oh, c'est pas mal. Vous avez gagné la compétence permettant de chevaucher un corps étourdi. Approchez-vous d'un corps étourdi, appuyez sur RB
pour le chevaucher. Vous pouvez aussi appuyer sur RB pour le chevaucher. Pour chevaucher un truc. Quand vous lui tombez dessus. Ok. Que je dégage de ça. Voilà. J'ai une idée. Y. Non, plus rien. Oh. Lâche-moi. Oh le bœuf. Oh non. C'est pas grave, on réessaye. J'espère qu'on recommence pas tout. Non, c'est bon. C'est quoi l'étape 4? L'étape 4? Il va être mort. Il a dû faire une erreur. Mais ce sont tes ordres que je suis. Ça, c'est ton problème. Nous sommes vus. J'ai une idée. Non, R, c'est Y qui est. Guide, attaque d'un corps. Les corps gros peuvent attaquer des ennemis dans une zone donnée. Ils peuvent également se serrer Y et dévorer au rock pour générer leur santé. Eh, c'est pas mal. Oh l'attaque. Ouah, ça déchire. C'est géant. En fait. Allez. Hop, un troisième comment pour avoir un petit. C'est un peu chaud pour les attaquer. Tiens. Peux utiliser là. Ta vie s'achève avec la morsure de ma lame. Alors RT et B pour tuer le gore lorsque vous êtes dessus, d'accord. Tuer la monture. On peut dire que t'as une façon particulière de monter sur un grog. Rien de tel qu'un peu d'improvisation. Ok, capitaine, c'est bon. Tu as fait preuve d'instinct, de courage, de respect. L'entraînement est fini. Tu as du cran. Allons faire couler du sang. Ouais. Et donc bien voilà, on a fini notre mission partenaire de chasse. Donc comme d'habitude, 600 d'expérience plus objectif 150 en plus. Les 7 anneaux de pouvoir n'ont pas changé les rois nains en spectre comme les 9 l'ont fait avec les hommes. Ils sont tenaces. Bon ben les amis, ben j'espère que ça vous aura plu hein. Et ben je vous dis à la prochaine pour la suite de l'ombre du Mordor. Surtout amusez-vous bien et sayonara les gens. On se retrouvera, mon cœur, bientôt, pour toujours.
Gurarnu Shirkush Agasgushu. Kandja Apakurizak. Gulanakizak. Gurarnu Shirkush Agasgushu. Kandja Apakurizak. Gulanakizak.